On se retrouve, comme promis, aujourd'hui pour l'exploration du château, la deuxième partie. Aujourd'hui, on va rentrer à l'intérieur même du château pour vous montrer l'état dans lequel il est encore actuellement. Malheureusement, d'après nos sources, car il faut savoir qu'on s'est fait attraper à la fin de vidéo par quelqu'un de la sécurité qui aurait vu sur les caméras que des gens seraient rentrés dans le château. Il nous a gentiment demandé de sortir, nous sommes gentiment allés jusqu'à la sortie. Je venais tout juste de ranger les appareils quand cette personne est arrivée. Du coup, un conseil, ne vous rendez pas sur ces lieux. D'après ce que nous a dit le gars de la sécurité, ce château vient d'être racheté et il va être par la suite réhabilité. Du coup, on peut dire que nous sommes allés au bon moment pour explorer ce château, car dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir, ce château risque de n'être beaucoup moins accessible. Du coup, je vous laisse avec cette deuxième vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Il y a du monde sur le pont là-bas. Oui, j'ai vu passer du monde sur le pont. Attends, c'est incroyable ce qui se passe. Le problème, c'est que le lieu est pas du tout sécurisé. En gros, il y a plein de grillages qui sont ouverts tout autour. Et en gros, on a fait la cantine avec les piscines, la ferme. Et là, on est dans le château, enfin dans l'enceinte du château. Du coup, juste derrière, là, c'est tous les bâtiments autour. Il y a des gens avec une famille qui sont là. Il y a même une petite fille avec eux. Du coup, on sait pas trop si c'est les propriétaires ou non. Et oui, c'est parti faire le tour. Du coup, je me retrouve avec une caméra. Attends, je rembrise. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn. Wow, on voit rien du tout. I'm not a liar. C'est vachement sombre. Bah oui. Regarde l'escalier. Oh, il est magnifique l'escalier. Wow. On fait tout le sous-sol d'abord. Ouais. Ça va être super beau. T'as vu, les pièces sont énormes. Ouais. Bon, il est mort, je trouve. Il est mort, il est pas évitable. Mais... il est très stylé. Éclair là, vous. Oula! Oh, là. On va faire gaffe en haut. Hein. Il y a un morceau qui est tombé. Très très bien. En haut, il va pas falloir aligner partout. Vu comment ça s'est cassé la gueule. Il y a un autre escalier là. On fait tout en rez-de-chaussée et on revient dans les étages. C'est quoi tout ça? Ah, c'est les vitres. Ah oui, c'est tous les morceaux de vitres. C'est muré, les deux. Ah, ça doit être des entrées. À mon avis, on est derrière là. Ouais. C'est des portes qui donnaient sur le dehors. On va prendre l'escalier central. Moi, je préconise l'escalier central. Oui, le plancher est mort. Ouais. C'est normal qu'il soit abandonné. On montrera papa. Oh, c'était des grandes pièces, hein. Hein? C'était des grandes pièces. Ouais. C'est juste les toilettes. Ah, il y a une télé ici, aussi. On finit juste la cuisine et on y va. Putain, là, ils ont carrément.
C'est un escalier aussi. Ouais. Ah ouais. Putain, il y a trois escaliers pour monter à l'étage. Enfin, après, vu la taille du truc. Déjà, le château qu'on avait fait, on avait deux. Ouais. Plus grand. Les gars, ils ont clairement défoncé la porte. Hein. Ouais. Ils ont... ils ont démonté le parpaing, puis une porte de rajouter, ils ont forcé la porte. Ouais, ouais, c'est plus il y a un... Il va y avoir plus de luminosité à l'étage, parce que sinon, pour les photos, ça va être terrible. Non, peut-être pas au dernier étage. 2021. Non, c'est après. Bon, par contre, l'étage, on va faire gaffe de ouf. À tout moment, on passe par-dessus. Par-dessus le plancher. Ouais, c'est du béton. Ouais. Alors, c'est laquelle la pièce ? À gauche. Viens, attends, on va par là. Ah oui, on voit le trou d'ici. Non, c'est un peu plus éclairé. Ouais. Ça, c'est une fenêtre. Est-ce que les chambres ? Ouais. Il y avait une salle de bain et tout. Le deuxième étage. Ouais, on sort. Ah oui, c'est l'escalier, mais ici. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. Ah, je sais pas. Eh, tu sautes d'un coup là-dessus, ça s'effondre. Ouais, y'a pas une porte par là. Mais en soit, ça se trouve si, en descendant par là. Non, mais ça se trouve en allant par l'autre escalier, on peut redescendre de l'autre côté. Parce que là, vraiment, on met les pieds dessus. Je suis sûr, sinon on passe à travers. Tu fais quoi ? On redescend. Mais non, il y a un autre escalier par là. Oui, mais on va. Il y a rien mis sur l'escalier. Ouais, mais ça va nous emmener au deuxième. Ça va nous emmener au deuxième, on s'en fout. Moi je dis ça se tente. Ça nous emmène au deuxième. Par contre là c'est éclairé de ouf. Hein. Ah ouais. Ça c'est pas barricadé au deuxième. Ah normal, personne n'a pris une échelle du côté que gros. Attends, tout le monde a lu ça. Moi. Ils vont là-bas. Ils nous ont vus, je crois. Ils nous ont clairement vus. On s'en fout. De toute façon, le temps qu'ils fassent le tour, qu'ils rentrent ici, qu'ils viennent jusqu'à dans le château. Deuxième étage, on va essayer de faire le tour pour retourner au premier. Le problème c'est qu'au milieu du château, il y a une grande partie qui est quasiment effondrée par terre. Et puis on veut pas s'y aventurer pour pas tomber à travers. Du coup là on fait le tour. Et le plancher est pas du tout solide.
Comment tu